Alors salut Marc, bon allez, je vais te passer encore un peu de temps aujourd'hui. Donc en fait, ce que j'ai fait, elles étaient sur le terrain, elles étaient, on va dire, positionnées ici avec la sortie comme ça. Et en fait, donc là, je l'ai basculé pour que la sortie elle soit vers moi maintenant. Comme ça me permet d'avoir, tu vois, dégagé l'espace là. Et tu vois, derrière, j'ai commencé à préparer les parpaings pour réceptionner les ruches. Alors hier, j'en ai pas loupé une, mais j'ai oublié. Je me suis pas bien débrouillé pour aller récupérer les seins. Donc on fera ça la prochaine fois. Et donc voilà, donc là, celle-là, elle est là. Puis ben, si on me rappelle pour aller chercher une ruche. La deuxième, je vais la mettre là. Puis bon, après, j'ai toujours la Kenyan. Et si je peux peut-être encore mettre une ou deux là. Et puis après, je sais pas si je tourne pour faire l'angle du terrain comme ça. Ou est-ce que je continue à descendre jusqu'en bas. Mais bon, comme là derrière, il y a une résidence, j'ai peut-être envie plutôt d'aller qu'elle sorte vers mon terrain plutôt que sortir vers la résidence. Bah voilà, c'est tout. C'était pour faire une petite vidéo aujourd'hui. Et je sais pas s'il va pleuvoir tout à l'heure. Ce serait bien pour la nature, c'est un peu sec. Et sinon, bah rien de spécial là, j'avoue. C'est trop tôt pour qu'elle commence à construire en bas. Normal. Et au-dessus, bah, c'est pareil qu'hier. Rien de nouveau. Elles doivent aller chercher du nectar et pollen. Par contre, c'était hyper humide en bas. Ce matin, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau liquide sur les parois, même sur les planches d'envol. Il y avait pas mal d'humidité. Alors, je sais pas si c'est la rosée ou le nectar qui commence déjà à sécher. Bon, en tout cas, c'était vraiment humide. Alors que l'herbe était pas trop humide, elle. Hein. Donc, bon, bah, écoute, là-haut, là, ça. Bon, c'est comme hier. Alors, bon, je t'enverrai un message, je sais pas à partir de quand il faut mettre une hausse. Bon, je sais pas pour commencer à faire du miel, j'avoue que je sais, j'ai pas encore de repère à ce niveau-là. Bon, écoute, je t'enverrai un petit SMS, tu me donneras ton avis, tu vas me dire comme d'hab, c'est les abeilles qui décident. Et comment je le sais, à part, si j'ai pas envie d'ouvrir et savoir. Ben normalement, je devrais le savoir si elle commence à construire en bas, c'est ce que je me dis. C'est peut-être mon repère. Bon, voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que j'attends encore 15 jours pour la mettre ou est-ce que je peux la mettre maintenant? Sachant que si je la mets maintenant, ben ça. Est-ce que ça va pas refroidir? Là, d'ailleurs, du couvain, je pense, ici. Donc, si je remets un corps ici, est-ce que ça va pas avoir tendance à refroidir. Voilà, c'est les questions que je me pose. Si je le faire trop tôt. Voilà. Bah écoute, à la prochaine, je t'envoie ça. Bonne journée, à plus.